pour que transition docteur Gary Koné là capable bien parti. Sinon transition docteur Koné là pral mal parti, tout dépend de moi que le pral choisi comme directeur du cabinet lien. Entendez docteur Gary Koné dans première déclaration publique que le fait jeudi. Compatriotes, bonsoir. Non, pas moi, c'est Gary Koné. Et comme nous avons déjà connu, mardi passé, le Conseil présidentiel a demandé pour me faire un petit soutien à la transition comme Premier ministre. Moi, j'ai déjà dit que ce n'est pas une décision de parler à l'IGE. Parce que tout le Conseil, ensemble, l'organisation représentée, a organisé toute une série de réunions avec différents candidats. Pour comprendre la vision du candidat, pour assurer que le candidat comprenne le contexte politique pays. Et puis pour surtout que le candidat s'aille pour le conformer avec l'accord pour mais surtout, je devrais assurer que nous avons choisi des points non-partisans, des points honnêtes, qui ont expérience et qualification qui nécessaire, et puis déterminé pour travailler en partenariat avec le conseil. Pour sortir pays à la crise liée. C'est avec impression, le marqué à des listes candidats qui ont gagné, nous avons dit que c'est avec un pile humilité que nous avons accepté. Et je tout profiter de l'opportunité pour remercier chaque conseiller ensemble avec l'organisation qui débat au mandat pour confiance que nous avons maintenant. Et je engagé moi déjà pour travailler en collaboration serrée avec tout conseiller pour résoudre problème urgent que le pays a eu. Malgré le gros défi qui a pris nous, moi je crois que le pays noir se font gros pas. Nous avons pour la première fois depuis plusieurs générations, groupe politique qui était adverse, qui était là depuis longtemps, qui était dans chier vite. Nous avons joué nos gens, nous avons tombé d'accord sur une personnalité qui est indépendante, qui n'est pas partisan, qui a pu nous déconstruire. Pour nous capables de construire une démocratie. Je vais profiter de tout pour remercier Cochapeau, Observatoire Jeunesse, RIN, et l'organisation de la programme qui était pour la candidature devant le Conseil. Je vais remercier toute notre organisation, société civile, personnalité politique, l'Église protestante, l'université, secteur vaudou, qui ont même tout été spontanément supporté le projet. Moi, avoué avec un pile humilité que je ne suis pas accepté ça. Si je ne pas senti que je suis en pile solidarité et je suis en pile organisation qui prend engagement envers moi pour supporter nous dans la tâche et responsabilité que je bats. Qui compte mieux que nous et pour qui ça me fait si conversation ça m'a fait. La nouvelle sélection est arrivée, moi, je suis Antigua. Donc, conférence de 10 pays qui c'est il t'a fait gagner chef d'État, tout chef de gouvernement qui était réuni avec secrétaire général, avec toutes vos autorités des Nations Unies. Le mot se voit nouvellement, immédiatement me prenait disposition pour me discontinuer participation dans l'atelier, pour m'écrire les Nations Unies pour me faire comme ça, et puis pour me prendre disposition pour me séparer de l'organisation. Premier avion que je viens de quitter sorti mercredi, je prends retourner à Panama pour me ramasser à faire, pour me faire un dossier avec les Nations Unies, pour me suivre que je quitte tout bas en ordre à cause de toute responsabilité que je gagne. Et pour me passer tout dossier qui était sous responsabilité. Mais entre temps, depuis mardi, nous pas chômé. Nous avons une conversation informelle presque chaque jour avec 100 000 en communauté nationale et internationale. Nous connaissons que Conseil là lui-même continue à travailler activement déjà pour identifier le profil qui pourra former le gouvernement. Nous avons déjà dit que nous pourrons travailler pour le gouvernement de transition, refléter courage, générosité, résilience et diversité peuple haïtien. Il faut que ni femme, ni garçon, ni jeune professionnel qui ont pile expérience viennent poter coller dans un gouvernement qui est un gouvernement pareil. Je rappelle que, par exemple, l'âge moyen de la population haïtienne, c'est 23 ans. Donc, jeune, nous est bien représenté. Plus passer moitié de la population, c'est femmes. Femmes jouent une place dans le gouvernement et femmes, eux-mêmes, tout là.
diaspora c'est gros support lié pour l'économie pays. Il faut que yo joigne place dans le gouvernement ça tout. Et évidemment, nous pas faire tout ça nous capable avec CPA pour nous joindre les monde qui compétent, monde qui pratique, monde qui honnête, qui remet pays et qui paraît pour sacrifier pour même pour pays. Mes amis moi connais pays à traverser une période qui très difficile. Et malgré un pile sacrifice policier, nous avons fait d'âme, nous avons fait groupe armé occuper une grosse partie dans la région métropolitaine. Radio Omega. Il a violé, il a tué finement à petite fille. Et il a fait sans punition. Plusieurs centaines de milliers de compatriotes obligés de quitter Kayo. Et puis je dis, il y a dans la rue sans soutien. Radio Omega. Parce que moitié population n'a pas assez manger pour manger chaque jour. C'est dans les 10 pour 4 millions d'élèves à l'école, apprendre sans faire sauter et puis faire examen. Quand à un malade, médicaments dispensés à l'hôpital, ils tournent luxe. Si commerçant, fermez pour tout. Puis la vie a augmenté 4 fois. Et face à tout ça, et une fois en Haïti, nous avons un Dieu. Nous sentons pour contre nous. Nous sentons comme si c'est nous cantons la parole. L'État abandonné nous perdu toute bagaille. Nous perdu non seulement toute bagaille, mais on dirait même l'espoir nous sentons pour perdu. Mais quand nous avons un ancien président d'Haïti qui rappelé tout dernièrement, car il met en pile, chaque pas. Si nous mettons nous ensemble, nous avons garanti nous sortir dans sa vie là. Moi toujours crois que par une fatalité haïtienne. Encore hier, moi j'ai visité un pile pays traversé crise et moi ouais comment leur population mis tête ensemble, ils ont sorti là-bas. Ni pour aller dépendre de nous, pour nous mettre tête ensemble et me suis que la bien arrivée de la vie finale. Un des premiers ministres première fois 2011, moi t'as rencontré tout ancien chef d'État à gouvernement qui était encore présent. Moi, j'ai demandé au conseil sur qui ça pour m'attendre dans le poste premier ministre là, l'organe responsable ça. Et plusieurs m'ont pile conseil. Mais il y a un grand conseil que pas j'ai oublié, c'est conseil feu président Privat. Il dit nous conseil Gary, population ça tellement souffri, y a tellement balmenti, y a tellement pour mettre des bagages que le pas je conseil m'a baro c'est pas promettre rien qu'au parti pour cabaille parce que si vous même tout perdre du confiance population ou pas jamais joindre encore malgré bon conseil ça m'a président rival de moi je dis à prendre responsabilité pour engagement devant nous nous pouvons faire tout ça nous capable pour transition ça réussir et pour nous gagner institutionnel pour y en place dans tant que accord doit arriver à Cuba. Premier, nous sommes quoi? Pays noirs sont gros pays, peuple noir sont gros peuple. Nous pas qu'à faire en fait une honte. Moi pas qu'à attendre pour nous commencer le combat de l'espoir ça avec. Moi pas qu'à attendre. Pour tout haïtien qui a discipliné, libé, tout partout dans le pays. Sans insécurité et sans cœur sauté. Zanonio, Haïti n'a pas deux pays. Et Haïti n'a pas pays. N'a pas vite, vite pour commencer le travail et pour remettre le pays sous le rail. Merci encore pour la confiance que nous faisons et maintenant de nous si patience pour nous travailler main dans la main. Et merci Futson. Et vous connaissez même me fait analyse de l'image et là regarder docteur Koné dans expression corporelle et il paraît apparemment son monde qui sentit les gagnants obligation de résultat qui pesait sous dol. Surtout, nous connaissons des fonds expérience qui étaient révélés à la fin au passage éclair dans la primature là.
et en pile monde tourner sous expérience monsieur avant la semaine là. En pile monde faire appel yo comment il était quitté pouvoir, comment il était brouillé avec Michel Martelly notamment sur question des contrats qui était évalué à l'époque à plusieurs centaines de millions de dollars tirés du fonds Petro-Caribé que Martelly était entendu à Jean-Max Bellerive pour passer la veille de investiture Michel Martelly. Et lorsque Gary Koné comme PM vint au parfum de dossier, il demandait réévaluation de contrat ça. Et c'est beaucoup d'audace, c'est beaucoup de pugnacité pour monde qui met au président entendre déjà avec PM qui était là avant là, qui était là sous préval là, monsieur Bellerive, Jean-Max Bellerive. Ils ont entendu passer plus fort contrat eux, notamment des contrats avec des firmes dominicaines, notamment firmes ancien sénateur ça, Félix Bautista, qui sanctionné par les Américains pour corruption, etc. Eh bien, Gary Koné t'a pas le mettre en question, pareil ça. T'as pas demandé une réévaluation de contrat ça yo, et ça t'a pas provoqué tout bruit donc on est yo, entre lui-même et Michel Martelly jusqu'à ce que t'a pas obligé de remettre démission au bout de 4 mois. Donc l'expérience avait tourné court. L'expérience avait tourné court. Maintenant que l'histoire fait bien les choses, et Dr. Koné est retourné sous scène, hein? Il est retourné sous scène et suffisamment de monde tourné sous connexion là avec les Américains, sous le lien là avec Bill Clinton, sous rapport lié avec l'international. Et comme quoi c'est le petit protégé du blanc, hein? Tout le monde tourné sous ensemble de ça. Mais ça me lit dans le visage li comme monde qui a pu analyser, c'est un monde nous senti qui, je peux me tromper, senti que li gen obligation de résultat qui pend sous tête li. C'est une occasion historique parce que j'en pays a eu la situation malouque que li a crise là dans dimension toute dimension li. Quel que soit mon qui vient du pouvoir, son gros occasion historique ou gagne pour écrire non en lettre d'or. Et ça me fait tout 32 mois m'a dit Ariel Henry, vous gagnez une occasion pour écrire non en lettre d'or dans l'histoire pays. Le président pays a mouri assassiné la Kaili et puis yo place là, c'est vous même qui succédez à lui. Eh bien, fait l'histoire. Eh bien, je disais à Moun, ça n'a pas choisi, à savoir, Ariel Henry n'a pas choisi faire l'histoire, il choisit aller dans la poubelle l'histoire. Eh bien, Dr. Koné, qui m'a placé dans les circonstances historiques que nous connaissons, et il y a un rendez-vous ça. Dr. Koné, il y a un rendez-vous ça avec l'histoire. Il n'est pas qu'à arriver, il n'est pas qu'à échouer. Et m'a tourné sur ça encore, mais bon ça mais la diaspora ou dit Laurent nous connaît que vous faites partie de monde dans diaspora qui était très impliqué à fond dans supporter docteur Gary Koné comme premier ministre. Il choisi Gary Koné comme premier ministre et a arrêté à publier hier dans le journal PIA, donc c'est officiel. Maintenant, Gary Koné s'apprête à rentrer au pays dans les heures qui viennent pour les vins monter gouvernement. Et il dit que il va monter en collaboration avec CPA, un gouvernement qui a bien là dans deux mondes crédibles, de jeunes surtout, de femmes et également de monde qui sorti dans la diaspora. Où tu regardes aujourd'hui et déclaration Koné là sur YouTube là? Oui, bien sûr que oui. Et qui te permet de te saluer, auditoire, Bocat et la parole là. Merci Gino pour la possibilité que nous avons partagé. Radio-Mika. Je pense que Haïti connaît un nouveau essor parce que depuis plus que 2 ans, nous autres du secteur organisé de la diaspora, nous avons en sorte de consultation permanente ensemble avec acteurs communautés internationales. Ensemble avec des acteurs clés au niveau de la diaspora, pour que nous proposions à Haïti un souffle d'espoir par rapport à un moment difficile que nous connaissons, pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais depuis l'année 2012, un pile tumulte, un pile problème. Donc finalement, nous souhaitons que CPA ne prenne pas aussi longtemps pour que nous prenions une décision que
que te doué prendre à fiacre avec ouverture pour l'autre classe monde émerger. Donc, moment, parce que qu'on est, et nous vraiment contents du discours que Dr. Gaï connaît fait, qui reflétait exactement l'attente que nous avons gagné à clé avec l'appointement comme Premier ministre PIA. Ok. Ou quoi que Jean Docteur Gary connaît dit là et transition ça pas doit échouer. Nous pas gain droit à l'échec par rapport avec des défis qui devant nous. Et quand je dis ça, le monde a connu un tournant qui est assez inquiétant. Je dis une décision justice qui prend contre le président Donald Trump qui confirme que bagayou pas ça a été souhaité pendant fin année. Il y a un pile menace que gagne de guerre nucléaire qui a démarré. Il y a un pile pays qui a pris des dispositions pour protéger les frontières, pour protéger les intérêts propres. Souci que l'international a gagné aujourd'hui, compassion que le monde a gagné pour Haïti, pour ne pas gagner dans 607 mois. Donc c'est Haïtien responsable, compétent, qui va gagner pour prendre charge à venir peuple ça, sinon. Mon lieu a disparu. Soit mourir par rapport à l'épidémie, soit mourir dans le grand goût, soit mourir par l'insécurité. Parce que là, il y a trop de misère, il y a trop d'injustice. C'est tout à fait normal pour que le taux de banditisme là augmente et que le monde a perdu la vie. Donc, on pense que l'échec, il n'y a personne qui a droit à l'échec, ni qui a droit à l'amateurisme. Ça fait que nous prions bon Dieu chaque jour. Pour le bal docteur Gaï connaît bon discernement pour choisir le monde qui est compétent capable. Et dans plus monde une inquiétude par rapport avec la folie qui était autour de candidature docteur Gaï connaît. Il y a des gens qui étaient supposés d'en cacher, mais ils étaient trop contents. Parce que ça a été un monde qui était chargé. Mais qu'on y a, de fait, M. le Premier ministre, il fasse avec l'histoire, il fasse avec la population captive, l'action qu'il a posée. Il y a deux observateurs qui notaient que, comme faux pas, et moi plusieurs postes sous réseau qui allaient dans ce sens, Dr. Gaï connaît pas saluer le secteur privé des affaires là dans l'intervention qu'il fait. Bon, peut-être, vous connaissez les tensions, les anticrasses en pile, je pense que Dr. Gaï connaît. L'autre tension, dès qu'il a soit parlé. Oui, tension politique pays, hein, mm-hmm. Parce que pas oublier que nous entendons tout scandale qui gagne autour de pression qui a fait pour qu'il y ait des influences de secteur politique par rapport avec sa table de fait. Donc, peut-être, docteur Guénois, pas oublier pour ne pas me garder, même pas quelque chose qui est intentionnel, que fait pour que les pas conscients de qui roule. Le secteur privé a joué dans la vie du peuple. C'est vrai, il n'y a pas toujours fait ça ou ça doit faire. Il n'y a pas aucun pays au monde qui a fonctionné sans secteur privé. Il n'y a pas quoi que Haïti, tout le monde a une alternative par rapport avec le secteur privé. Et nous là. Donc, que ce soit, nous voulons chercher des extraterrestres pour remplacer eux, ou du moins, nous disons avec eux, parce que n'y a pas d'autre monde qui est trop intéressé dans le pays, ça, pour pas ni mon travail ni investir là-dedans. Donc, parce qu'il y a plein d'intérêts, docteur. Pour que les encourager pour faire ça, on a dû faire ça, on va jamais faire, mais pas surtout pour suivre des secteurs qui déjà pas représenté grand chose, mais n'ont pas qu'à fonctionner ça du tout. Est-ce que vous pensez que c'est ça a entré dans la stratégie blanc, un petit peu communauté internationale là, pour écarter secteur privé là, parce que dans le secteur privé ça, ça a gagné là-dedans des éléments mafieux, des éléments encombrants, et que ces mêmes éléments mafieux, la MPC campé là-bas où, et que ces mêmes éléments mafieux et encombrants, t'as fait forcing pour que Didier Fizeme PM sous Gary Koné. Well, on pensait que, mais qui est-ce que mais la communauté nationale d'identifier deux branches dans le secteur privé des affaires haïtiennes. Mon secteur privé des affaires qui est très rebelle, qui croit que Haïti c'est pour eux avant même que c'était pour Africains, pour même Haïtiens. C'est mon ça qui est là avant même que tu aies indépendance pays d'Haïti. Et mon ça est très rebelle. Ce n'est pas forcément des gens qui sont en corruption, mais c'est des gens qui ont un attachement particulier par rapport avec ça représenté pour Haïti. On l'autre secteur tout qui c'est eux-mêmes qui paraît plus grand que ça, qui a
subi de pression internationale. Mais ce n'est pas la forme que l'il y a. Je pense que la communauté internationale a une bataille par la mener avec la classe mondiale. Et qu'en dehors de toute considération politique, je pense que l'il y a pour le sécher qu'on est, même à dégager qu'il y a une femme. Ok. Est-ce que nous-mêmes, au niveau diaspora, vous dites nous disponibles, nous prêts pour nous monter terrain si le docteur Kony a fait appel à nous dans le cadre de la constitution gouvernement? Bien évidemment, nous-mêmes, au niveau du secteur de la diaspora, nous croyons que nous avons des ressources qualifiées et nous avons des intérêts poussés pour des secteurs tant que l'éducation, pour des secteurs tant que la défense, pour nous travailler sur le RDB, hein, parce qu'il y a un peu d'inquiétude sur le RDB qui est bravé, parce que nous avons des troupes étrangères dans le pays. Hein. Nous comprenons ce que ça veut dire par rapport à la résolution Nations Unies, nous-mêmes qui avons interprété la loi. Nous pensons qu'il faut que nous érigions nous comme des avant-gardistes pour nous défendre sur le RDB. Hein. Et dans plusieurs autres domaines, mais deux domaines, ça, nous pensons que pour nous défendre les droits haïtiens, pour nous rapatrier de la 50 que nous avons toujours mal utilisé, technologie d'information qui est disponible, expertise à nous gagner. Dans le domaine sécurité, nous pensons qu'il y a un peu d'experts, et spécialement le général Oussel Honoré, qui est un allié, qui produit un peu de réflexion sur la façon de faire campion l'armée, qui est mieux utile avec le pays, qui est à camper. Et pour défendre l'intégrité pays et puis aider la sécurité. Donc, si le docteur Kony connaît fait appel avec diaspora, secteur ça, nous gagnons de personnes qualifiées et nous gagnons de faire de retour pour nous accompagner politique gouvernement, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais ce n'est pas besoin ça pour côté nous tous, nous pensons que nous gagnons notre façon alternative de nous quatre jours. Utiliser pour que nous permettre le pays d'Haïti bénéficier de ça, parce que c'est Haïti avant toute chose, toute considération. Ok, pour nous finir, vous dites, est-ce qu'on croit que il y a des ministres là dans le gouvernement démissionnaire Ariel Henry qui méritait une reconduction? Non, pas que ça. Et même j'entends pas que il y a un pile de monde dans la classe politique qui a bravo. Qui a positionné autour de Gary Kony qui méritait faire surface. D'ailleurs, ce sont des irritants. Une bataille qui est dans la rue, une bataille que la société a menée, c'est on page que vous voulez tourner. Il y a un peu de monde qui parle de l'image, on peut parler tant de parler de eux. Aussi de monde qui fait un peu mal. Et je pense que c'est la justice que le docteur Gary Kony a fait à la population ça, pour éviter de faire surgir de mauvais souvenirs du passé. Le que des pas propulsés de certaines figures. Maintenant, parce que même le par exemple, le monde n'a pas payé, mais il y a des mondes que le pays a besoin, il a utilisé. Je ne dis pas que le monde n'est pas important, même pas à souhaiter que vous mettez devant la scène, parce que l'image, ça a eu au niveau de très mauvais souvenirs. Il n'a pas encouragé la paix que nous souhaitons que le pays en joigne dans un moment difficile, ça a eu. Donc, je imploré, docteur, pour les. Kembe Diskouli, tourner vers la jeunesse, tourner vers la diaspora, garder de ressources pour que nous, pendant 18 mois, ça pour nous lever des filles. Et c'est que l'autre monde qui estime que nous devons gagner chanceux, c'est pour permettre de gagner des élections libres qui fait dans le pays, hein, pour que la population soit tranchée. Mais ce n'est pas le droit ni le devoir de Dr. Gary Kony pour que les ressusciter des cadavres politiques et pour créer des irritants qui posent un entrave à démarcher la paix et lui-même a prôné dans le discours là. Pendant qu'on parle de cadavres politiques, et bon, tout le monde prend de vous sous ça, je vais question ça pour vous dire. Et ouais, par exemple, pendant 32 mois, Ariel Henry, il y a un ensemble de hommes, de garçons, d'hommes et de femmes. C'est une femme, non, mais plutôt, on me dit d'hommes. Il y a un ensemble d'hommes puissants, et des nègres qui ont un pile influence, qui ont un pile marge de manœuvre dans le secteur privé, qui
en bas sanction Canada, en bas sanction États-Unis. Et il y a plusieurs figures politiques majeures ces 30 dernières années. Nous avons besoin de parmi eux, d'anciens parlementaires, d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents qui en bas sanction Canada, États-Unis. Est-ce que dans une part, son question que Dr. Guy Koni n'est pas capable de pas appréhender durant la mission pour mener la transition ça? Comment elle doit regarder une question comme ça? Je pense que Dr. Guy Koni a une feuille de route qui est claire et précise. C'est arriver pacifier le pays et arriver vers les élections. Maintenant, je pense que la communauté internationale a un job pour le faire dans le cadre de travail qui sont servis sur la bande pays, hein, évaluer et des autres qui font mieux. Et même penser que c'est plus un président élu qui est à droit prérogative pour remettre le système de justice dans le campé et pour agir sur la question de sanctions. Mm-hmm. Donc, si Dr. Karigoni voulait focus sur l'objectif, sur la feuille de route, sur la mission qui arrivait à établir la paix pour que le monde puisse circuler dans le pays, hein, pour que nous joignions une sérénité, pour nous mettre campé dans le conseil électoral. Qui pourrait arriver, convoquer les pays à l'élection pour le fonds référendum, pour changer la constitution, hein, et faciliter qu'il y ait de nouveaux élus qui émergent. Je pense que l'État doit, qui me dit, il faut que ce problème majeur, ça, parce que la question de la sécurité, déjà pour qu'on parle, son gros morceau qui mentait, on approche titanesque. Parce que ce n'est pas seulement de gangs qui en a eu, hein, qui a cherché manger, qui a cherché terroriser la population, mais il y a une photo qui en a eu, qui a eu des armes, mais pas supposé qu'il y a des et qui a utilisé le fait de malaisation. C'est une approche médicale que vous devez gagner, une approche sociétale, parce qu'il y a des gens qui sont frustrés, qui estiment que le son parlementaire qui bat aux armes pour faire élection pour lui, et puis le sanction qui a tombé dans la Nations Unies, c'est vous-même qui pouvez prier, et puis lui-même, le style continue ministre, le style continue autour de premier ministre, le style amène à l'activité. Frustration, ça, il est très difficile pour aborder les enjeux ou pas, et pas ça. Sur des gens qui étaient mis des armes là. Donc, problème de sécurité, c'est un problème qui est assez complexe pour Dr. Gaïkoni d'arriver, même aborder en 6 ou bien 7 mois. Mm-hmm. Vous prenez un rôle d'argent pour agir sur de l'autre problème qui est beaucoup plus grand que lui-même. Donc, parce que Dr. T'as le technologie, on parle, et puis, pas payé, parce que la justice en fait cool quand même. C'est permettre que bon, l'autre classement qui émerge, permettre qu'il y ait des élections qui fassent dans le pays, hein, permettre que mon bureau prenne un souffle d'espoir et pour que ça puisse faire dans le futur. Maintenant, même là, vous avez mettre l'action de justice en mouvement, nous n'aurons pas payé par une prison campée, pénitentiaire basée, prison à l'époque basée. Donc, c'est accès à mon justice radicale, côté que vous jugez pour nous voir la bataille, mais si c'est la prison pour vous juger pour vous voir l'eau, pour qu'on gagne un travail, ça là. Avec qui juge tout pour le travail. Ça. Donc, on ne peut pas travailler comme par quoi que nous devons focus sur eux. On cherche à joindre la paix pour que nous joignions de monde qui n'a pas peur de venir en Haïti, qui n'a pas peur de prendre la responsabilité sur l'État, qui pour permettre que nous inspirions tout le monde confiance que nous avons fait à l'appareil électoral la confiance, et puis pour nous choisir de nouveaux dirigeants qui pour aider nous prendre des décisions sur l'avenir du pays. Et question sérieuse, c'est du bagage qui a dû aborder dans l'avenir du pays aussi. Merci, Oudi Loram de Gotangé. On a boucanté la parole. Merci en ville. Merci. Et Guy Koni, qui parlait aujourd'hui, hein, en vidéo, qui dépassait 5 minutes, oui, je crois. Eh bien, il passe à lieu, Dr. Guy Koni, qui ignorait, parce que c'est plus vrai, il dit que il fait ressortir la nécessité pour que la transition ça réussi et que le pays n'est pas capable de permettre le luxe pour nous échouer. Pour que nouvelle transition ça l'y échoue. Et je remarque la caille Dr. Koni une certaine désolation, une certaine tristesse par rapport à je l'ai décrit crise malouk pays à vivre là, même si nous connaissons ces dernières années li pas vivre dans pays. Mais il est au courant que c'est un pays qui a
connaît des drames, des calamités à nul autre pareil. Et drame collectif n'a vivio qui paraît pareil, il connaît foc ou solide tant qu'il y a un rock pour ou aborder. Et il connaît foc, il monte une équipe qui solide tant qu'il y a un rock pour lui aborder. Et il connaît, il conscient tout. Et un ensemble de figures qui finit chez là le bagarre. Il va quand même mettre aussi souterrain encore. Sinon, et c'est pour les signaux clairs. Cap Dino, voilà, et la direction que transition apprend. C'est à partir de monde que le voile mettre dans l'entourage, dans le cabinet, li, qui pour quelqu'un pour bal conseil, pour dire ça, pour le faire. Quand il aura à prendre les grandes décisions d'État, il faut que le pays a des yeux fixés sur. Cabinet qui pourrait le monter, cabinet particulier PM, nan, mais également cabinet ministériel. Là, c'est à partir de là, on va dire est-ce qu'il y a un espoir pour transition ça réussir ou bien pour lui échouer. Et je me suis dit, secteur privé, a, que Gary Conny et pas même lancé, on va lui remercier en pile monde, lui remercier en pile groupe, lui remercier tout groupe qui était. Supporter Lio, les remercier CPTA, les remercier tout le monde, les même remercier acteurs internationaux et tout. Elle dit que le voile parler avec eux en pile, il voulait parler avec à la fois acteurs nationaux, à la fois acteurs internationaux pour aborder situation malouk pays à vivre. Mais qui ça qui fait que Dr Kouni passe à lieu, c'est un privé. Qui ça qui fait que Dr Gary Kouni pas dit un petit mot? Pour le secteur privé. Qui ça qui fait ça? Et nous parler avec des sources, hein? Des mondes qui sont dans le secteur privé, qui sont dans le secteur privé. Vous connaissez nous-mêmes dans l'émission, ça, nous ne pouvons pas mentir. Hein? Nous ne pouvons pas parler sans ne pas connaître. Et moi-même, particulièrement comme journaliste, principe de base fondamental pour moi, vous me respectez. Juno Jean-Baptiste, pas baillon bagaille si que me pas confirmer. Bagaille, ouais, même ka di nou, Ariel, même ka di nou, docteur Kouni a rentré demain, par exemple. J'aime d'ab dit dans le commencement de l'émission, est-ce que docteur Kouni a rentré demain, ou bien samedi, ou bien dimanche? Je bagaille pour répéter rumeur. Moi qui n'ai entourage Kouni qui me parle avec là, même lui pas connaît qui l'a Kouni a rentré. Donc, pas un qui a Kouni a rentré, s'il va rentrer demain, samedi, dimanche, on ne sait pas. Mais en ce qui a trait à ce secteur privé, il y a un petit incident, si je ne peux pas brûler comme ça. Il y a un incident, bon, je ne peux pas qualifier. Il y a un incident qui est arrivé entre Gary Kouni et un groupe important dans le secteur privé. Qui s'allie? Avant que je me considère l'autre paramètre, parce que nous connaissons que la communauté internationale là, va me dire plutôt les États-Unis qui mènent la danse en Haïti, ils ont un ensemble de figures mafieuses. Ils ont un ensemble de figures mafieuses dans le secteur privé là, que vous voulez écarter. C'est une nouvelle là. Ils ont un ensemble de figures mafieuses que les États-Unis gain dossier que américain yo connaît moun sa yo impliqué dans des bagailles qui louches. Et bien américain yo veulent catégoriquement écarter yo de la gestion de ce pays. Ça c'est un paramètre non négligeable non par rapport à intervention par rapport à déclaration de Dr. Kouni. Que ensemble de figures là pas des moindres. Même j'ai une politique là que je voulais mettre hors d'état de nuit, empêcher au monter celle-là. Et bien, il y a un ensemble d'acteurs. Parce que le secteur privé, il n'est pas un bloc homogène. Il y a un bon monde là-dedans, tout comme il y a un mauvais monde. Il y a un monde qui a une activité de génération de. Il y a un monde qui a une activité de. Qui gagne business, qui a bail job, qui a une activité saine, qui a généré emploi, qui a fait l'argent de façon saine.
mais tout comme gain des groupes en dans même monde qui impliqués jusqu'au cou dans des activités extrêmement louches. Alors, les Américains, ils comprennent ça. Ils comprennent qui est dans le pays qui clean, qui a fait l'argent de manière saine en dans économie, mais qui groupe tout en dans Mounsayo, qui dans l'économie criminelle là, qui dans contrebande, vend zam, vend balle, qui dans vend drogue, les gains dossier tout net. Les gains dossier américains, il y a tout dossier net. Donc on sait de figure mafieuse là que il a essayé écarter depuis soir, il a commencé et bam din bien. Tout le monde qui gagne gros espoir que les sanctions vont être écartées, on dit nous menti. Que tu vas mettre toutes les sanctions de côté et puis on va recommencer avec tous les mêmes. Non. Pas qu'une sanction qui parle de côté, pas qu'un recommencement qui parle fait avec tous les mêmes. Avec tous les mêmes. Non. Les gars, ils connaissent pas ça. Les gars, ils connaissent pas qu'un agenda ça. D'ailleurs, ils n'ont pas l'agenda ça. Il n'y a pas d'agenda ça. Donc, il y a une volonté, à la base, il y a une volonté pour mettre à l'écart de figures dans le secteur privé qui impliquaient, qui jusqu'au cou dans des bagailles qui louchent. Deuxième aspect de la question, c'est que Dr. Gary Koni était dans la perspective pour. La perspective pour l'IVN PM, attendez bien la République. Teshita, t'es gagnant une interview avec Gary Koni. Ok? Parce qu'il connaît monsieur. Ça, c'est de bonne guerre. C'est dans tous les pays. Et il y a un monde qui chef, il y a un monde qui parle pour fonction politique, président ou premier ministre. C'est normal pour que Chita avec. Avec moun ki nan question fait business dans le pays. C'est-à-dire qu'on pas qu'à empêcher Macron ou bien Gabriel Attal en France à rencontrer les membres du MEDEF. MEDEF, c'est mouvement des entreprises de France. Ça c'est de bonne guerre que ou premier ministre ou président ou rencontrer entrepreneur. Et bien Gary Koni comme moun ki t'a pral PM, qui t'a bataille pour le vin PM, et bien t'es gagné une interview avec Cito Privé. Li fait Dr. Gary Koni, il fait un premier interview avec secteur privé. Après ça, il y a un deuxième interview qui planifie. On dit plutôt un deuxième rencontre. Et dans des biens de la République, eh bien, c'est l'été, Dr. Gary Koni l'été. Li wè tout nèg yo ki te impliqué dans processus de rencontre ça, yo dit nous pas capable faire rencontre là encore parce que nous pral dans funérailles René Max Auguste. Et qui est René Max Auguste? C'est le propriétaire de la Valerio Canaise. Et yo fait ça, yo pas même bal yon l'autre date. Yo pas même bal yon l'autre date, mais tout le secteur privé a gétant fait première interview avec Gary Koni. Yo pas décider qui est sur le supporter non. Yo planifié deuxième interview que yo pral reporter sans que yo pas bail docteur Koni yon l'autre date, sans que yo pas bail qu'une raison valable pour qui ça reporter rencontre. Je dis comme ça que et nous gon enterrement là, c'est enterrement, c'est nous pral enterrement honné. René Max Auguste, qui est propriétaire de la Vallée au Canet, du Balan Temal, et nous avons fait un compte là. Eh bien, c'est gardé. Docteur Koni pourra le garder dans les jours qui suivent. Lui, que monsieur, à savoir les grands manitou du secteur privé, nous avons quelques noms là, il garde le priorité au supporter ouvertement à l'Ixte Didier Fils-Aimé, sans qu'il n'y ait pas jamais retourné parler avec lui. Et expérience ça, Dr. Gary Koni l'a vécu très mal. Dr. Gary Koni l'a pris très au sérieux. Pour lui, c'est une inélégance, c'est un manque d'élégance. Pour lui, c'est preuve de un irrespect.
parce que c'est marqué sérieux. Docteur Kony estimait que c'est marqué sérieux. Parce qu'à l'époque, toute le il fait première rencontre là, et lorsque il était envisagé faire deuxième interview à Gary Kony, à l'époque, le secteur privé des affaires n'a pas encore endossé M. Didier Fizeme. Il a pral endossé après, ce n'est qu'après que il a pral dit Docteur Kony, nous pas pouvons rencontrer encore, et nous avons dans l'enterrement Zamino, qui c'est Alix Didier Fizeme. Eh bien, Docteur Gary Kony prend ça très mal. C'est peut-être la raison pour laquelle il passe à lui, monsieur Jodia, il estime que monsieur t'es agi de façon très inélégante vis-à-vis de lui-même. Ça, c'est un aspect qui est important pour nous considérer. Mais, l'autre aspect pour nous considérer tout, public en pile dans mon secteur privé, ça, qui sanctionnait. Gan pile nan moun sa ou ki sanctionné et yo rete convaincu, yo te croyé que Gary Kony te capable peut-être plus aider li par rapport à aura que le gain au niveau international, parce que c'est toi privé a bien comprendre que yo vini faire choix et Didier Fizeme comme ça. Non, il y avait beaucoup de réflexions au préalable, il y avait beaucoup de rencontres au préalable. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont dans business. Il y a des gens qui sont dans business. Généralement, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont réfléchi comment pour faire quoi. C'est une démarche intelligente. Parfois, je joue dans la radio. Il y a des gens qui sont dans démarche pour le faire quoi. Pour le vendre dans la maison. Pour le vendre, non. Il y a une démarche intelligente et réfléchie. Et comme il y a une démarche intelligente et réfléchie, mais démarche intelligente et réfléchie, ça, il y a appliqué dans tout ça à faire. Et bien, quelqu'un pour choisir pour endosser un PM, il était envisagé sérieusement endosser Gary Kony. Puis, il ne connaît que Didier Fizeme, c'était un choix automatique. Non. Junot Jean-Baptiste dit nous non. Choix pas automatique parce que, monsieur, secteur privé, dont une bonne partie n'a été sanctionnée par le Canada et les États-Unis, il était fondamentalement croit que Dr Gary Kony, par rapport à son aura, par rapport à ses connexions, par rapport à ses réseaux d'influence au niveau international, tape mieux armé pour aider yo, notamment dans perspective ça qui s'est levé sanction, parce que en plein yo voulait que sanction levé. Il faut vous dire la République que sanction dérangé moun yo en pile à la fois ni nèg ki nan business yo, mais également ni nèg ki nan politique yo. Sanction yo fait en pile dégâts sous la vie personnelle moun yo, sous la vie professionnelle yo. Il faut être vraiment en mesure pour parler avec yo, pour parler avec quelqu'un nan yo pour comprendre comment monsieur a souffri. Et parfois je me dis c'est la situation est difficile, très difficile pour un pile dans le monde qui prend sanction. Oui, nous connaissons que le pays a dit sanction, mais les sanctions ont provoqué des dégâts énormes sous la vie monde qui mis en cause. Yo. Et messieurs, dames, secteur privé, t'es convaincu au préalable que Gary Kony était capable, meilleur profil là, pour aller bataille, pour sanction, ça va lever, mais il t'a pour aller peut-être fait preuve de inélégance ça, de manque de maturité ça, annuler une rencontre qui était important, puis aller dans funérailles René Max Auguste sans que pas même gain minimum d'élégance pour yo dit Gary Kony qui l'on a rencontré pour deuxième rencontre là. C'est garder équipe Gary Kony l'a gardé, c'est garder équipe Gary Kony l'a gardé. Yo ouais, secteur privé ça, ce même secteur privé qui t'a dans une démarche pour endosser candidature là, yo garder yo ouais. Eh bien, secteur privé a endossé la candidature de Didier Fizeme. Il y a l'autre détail toujours, oui. Pour me banner sous question, ça, les rapports compliqués entre Gary Kony, les pour jouer une route, hein, ou jouer une route là parfois de très tôt, on va arrêter pour chercher route. Et on peut confier en question, secteur privé, non? Et c'est maintenant. La grande question que toute la République se pose, pour qui ça, Laurent Cécile, qui se représente en secteur privé,
dans le conseil présidentiel là, absent dans le moment vote là, et puis il n'y a pas même un mandat pour voter pour lui. Ou bien pour adhérer, parce que le conseiller Odim, notamment Leslie Voltaire, dit pas de vote. Le conseiller Odim, dans la résolution qui est publiée aujourd'hui, qui publiée dans le journal pays hier, le moniteur, il dit pas de vote. C'était pas un consensus. Mais pourquoi Laurent Saint-Cyr n'a pas pris part à ce consensus? Pour qui ça? Il n'est pas obligé de partir. Dans un moment, ça même. Et avancer comme argument que le Pralouet, famille, petite, qui a un problème. Qui a un problème de santé? On va avoir une nouvelle. On dit tout à l'heure que, en compte entre Gary Kouni et secteur privé, t'es mal fini. Parce que, M. Wallan, funéraille, René Max Auguste, il n'y a pas même gain. Il y a un minimum de. Il y a un minimum de décence, un minimum d'élégance, de respect pour dire Gary Kouni que nous ne pouvons pas faire un compte là et nous reporter l'affaire, on a une date ultérieure. Il n'y a pas même dit ça même, pas rien du tout. Zéro communication et puis aller, il y a endossé Didier Fils-Aimé. Maintenant, lorsque le conseil présidentiel a gagné pour délibérer, tout le pays a constaté que le secteur privé a comme un secteur qui est important, qui tape. Je suis prêt pour te mettre de gros moyens financiers à terre pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour faire que Didier Fils-Aimé rive comme premier ministre, parce que il faut rappeler que Haïti, certes, c'est un petit pays, mais c'est toujours de gros intérêts économiques qui ont joué dans la bataille pour pouvoir. Et c'est toi privé, il y a un pile intérêt, il y a un pile monopole que tu as cherché à préserver. Et comme il y a un pile intérêt, il y a un pile monopole, grand monopole, petit monopole, que a cherché préserver, eh bien, dans la tête pas eux, ils ont pris la bataille, ils ont été prêts à tout pour mettre de force, pas de force non, bandit plutôt, à coup de millions de dollars pour mettre et disait Fils-Aimé comme pour Evinis. Et lorsque nous regardons nous ambassade américaine la tweet là mercredi dernier, hein. C'est un pinga ambassade la lague. Ambassade la qui gagne service de renseignement licite. Connaît très bien que monsieur va mettre l'argent à terre pour jouer 5 votes pour mettre Didier Fils-Aimé comme premier ministre. Ma bonne information. Et bien ambassade la fait tweet là pour dire yo support à peine voilé à Gary Kouni. Pour dire nous moins de transparence. Attendez bien, oui. Mais écrit sur ça n'a pas poste. Mais écrit un coup d'œil sur ça. Nous avons besoin de transparence dans le processus là. Mais surtout, le pays a dans le moment besoin d'un monde technique. Et faut que choix fait sur la base. Je répète, faut que choix fait sur la base du mérite technique. Lorsque l'ambassade l'a fait tout ça, il était au courant que le secteur privé a été prêt pour débourser de grands moyens financiers pour mettre Didier Fils-Aimé comme PM. Et jusqu'à jeudi dernier, tu as de fortes chances pour que Didier Fils-Aimé PM. Et puis, les Américains ont dit oh non, ça va faire là. Et bien, c'est dans ça, mardi, dans la délibération, qui a abouti par un consensus unanime, parce que 6 membres qui étaient présents, tous les six adhéré à consensus là. Pas dans des plaintes, ou pas dans des défections, pas dans des commentaires de protestation. Eh bien, le grand absent aura été Laurent Saint-Cyr, le représentant du secteur privé. Ça qui passe. Qui ça qui expliquait absence notable ça? Attendez bien, la République. Laurent Saint-Cyr dans groupe BUH. Laurent Saint-Cyr comme conseiller présidentiel, son personnage public. Mais il faut que nous rappelions que Laurent Saint-Cyr est dans le groupe BUH. Et quand on dit groupe BUH, on dit Olivier Barreau. OK? Quand on dit groupe BUH, on dit Olivier Barreau. Et Madame Laurent Saint-Cyr, attendez bien la République, Madame Laurent Saint-Cyr, qui c'est Marie-Fouin. Madame Laurent Saint-Cyr, qui c'est Marie-France Boisson,
Laurent Saint-Cyr dans le groupe BUH. BUH, c'est pour Olivier Barreau. Madame Laurent Saint-Cyr, qui est Marie-France Boisson. Boisson, c'est Unibank. Attendez bien la République. L'on dit Boisson, c'est Unibank. L'on dit Unibank, c'est Boussan également. Et puis Boussan, tu es déjà dans deux gars qui connaissent. Edouard Boussan, tu es déjà dans deux gars qui connaissent. Maintenant, Laurent lui-même vient obligé, pas même qu'à voter, pas même qu'à adhérer à consensus qui joint autour de gars économiques là, pendant que secteur privé a gagné un candidat, Laurent Saint-Cyr n'a pas même qu'à voter pour candidat secteur privé. Est-ce que nous comprenons bien la République? Autant de contradictions. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que le secteur privé n'est pas un bloc homogène. Nous avons contradictions. Nous avons interconnexions. Nous avons interpénétrations. Comme Laurent Saint-Cyr, malgré le groupe BUH qui se bat, l'autre groupe BUH ou Dibao, mais Madame Saint-Cyr, Madame Laurent Saint-Cyr, c'est Marie-France Boisson qui n'a une banque. Oh, une banque, c'est Boisson. L'autre dit Boisson, il doit Boisson, c'est. Gros mani tout secteur privé à c'est Unibank, mais bon sans ça lui-même l'étape supporté hein. Gars il connaît Laurent Saint-Cyr obligé marron. Laurent Saint-Cyr il vient gain les mains et les pieds liés. Les mains et les pieds liés, il pas qu'à voter ni pour candidat secteur privé à Zéphizeme, il pas qu'à voter tout pour gars il connaît. Eh bien, il prétexte son voyage. Il prétexte son voyage. Voilà pourquoi nous pouvons constater, puis il va le constater, absence notable ça. Le représentant du secteur privé pas prend part à processus de délibération pour PM. Non. Parce que il y a un ensemble de contradictions qui minent, parce que le représentant gagne les mains et les pieds liés. Hein? Il vient pas mettre tête en danger tout parce qu'il prend pile pression de part et d'autre et parfois de pression qui allait dans différents sens, qui allait dans sens contraire. Voilà comment Kony premier ministre, voilà comment Kony arrivait décrocher le Graal sans que le représentant du secteur privé des affaires pas prend part à délibération, pas prendre part à délibération et pas prendre part à délibérer à délibération qui vient by Gary Kony comme premier ministre, vous comprenez. Donc c'est à dire que le secteur privé n'est pas mort parce que nous ouais il y a un gros manitou là Edouard Boussan qui t'a supporté Gary Kony, ok. C'est-à-dire que le secteur privé a toujours été souterrain, hein? Même si il y a un pile dans yo, donc on est qui sanctionné, mais on ne peut pas faire sans le secteur privé d'ailleurs. Même si vous avez capable tout problème avec yo, ça qui n'a pas qui louche, mais les mauvais grains, vous capable toujours écarter yo. Mais on pas qu'à dire, vous pas fonctionner, vous pas faire un pays sans secteur privé, vous pas capable. Pas un pays sans secteur privé. Pas quitter qu'un monde mentir ça. Pas quitter qu'un monde va mentir ça. Peut-être que les mauvais grains, c'est à eux pour reprendre question de la justice ou ça que vous faites qui pas droit pour activité louche à mener. Mais on ne peut pas faire sans le secteur privé. Mon commentaire personnel, c'est que Gary Kony aurait pu transcender, même si monsieur était inélégant avec lui dans le cadre d'enquête, dans le cadre d'interview que vous avez fait pour vous supporter ton candidat, à savoir monsieur secteur privé. Même si vous êtes inélégant, vous êtes peut-être un peu impoli par rapport à Jean, vous avez abandonné les discussions, vous avez Gary Kony pour aller supporter et disait Fizeme, mais au moins, Dr. Kony aurait pu transcender, aurait pu prendre de la hauteur et pour saluer le secteur privé. Il n'a pas fait ça. Selon moi, même conseiller est capable de faire ça. Merci à mon frère, à mon frère Patrick Gilles. Hein? Patrick Gilles. Ça parlait et à mon frère et Patrick Gilles qui a appelé là évasion fiscale, c'est là où mettre l'argent ou faire dans un pays dans banque ou l'autre pays sans pas déclarer dans le pays d'origine. Merci mon frère, hein, c'est un grand consultant
émission Boucanter la parole, émission Carrefour que me fait chaque 3 heures sur radio. Évasion fiscale, c'est là où on met l'argent ou fait. On t'a mal défini là l'heure, c'était dans commencement émission, on t'a parlé de ça. On t'a parlé de Valen nèg nous connaît ici qui dans évasion fiscale. Ou j'aime tant des gon dossier judiciaire qui fait ou j'aime tant des gon procédure judiciaire qui ouvrit quand on nèg soit dans politique, soit dans secteur des affaires là qui dans évasion fiscale. Ou j'aime tant de ça, ça va jamais fait. Mais pourtant nous plein yo, hein? Ça après les impunité à marrandé à corruption, impunité à marrandé à sous-développement, à mise à pays. Par exemple, il y a qu'un procès, par exemple, il y a qu'un dossier judiciaire, rien n'a pas ça. Pourtant, c'est un fléau. Hein? Chaque campagne, il est toujours dans le débat. Évasion fiscale, tout le candidat va le dire. Moi, je vais combattre l'évasion fiscale. Évasion fiscale, c'est là où on met l'argent ou fait dans le pays où on vit là, dans la banque ou l'autre pays, sans pas déclarer dans le pays d'origine. Ce que, par exemple, on est, je crois que c'est Jérôme Cahuzac qui était un groupe potentat sous régime Hollande là, François Hollande en France. Nous on est que me suivre en pile actualité internationale là, et Jérôme Cahuzac, je crois, il était ministre du budget de François Hollande, et puis il y a un média et très influent, un média d'enquête très respecté et en France qui est les Mediapart, qui parle faire une enquête, qui parle révéler que eh bien ministre budget a gagné l'argent caché dans un paradis fiscal qui c'est la Suisse. Lorsque l'information est révélée, ça a provoqué un gros scandale. Ça n'a pas provoqué un honte de choc dans l'opinion publique de la France. Non, parce que comment faire un ministre du budget qui l'a prouvé à ce que acteurs économiques ont un bon comportement, ils payent les taxes, ils passent comme dans un paradis fiscal. Et puis c'est même ministre budget ça, à savoir Jérôme Cahuzac, qui a serré l'argent en Suisse comme pays qui est reconnu comme paradis fiscal. Et bien, scandale fait. Hollande révoqué Jérôme Cahuzac, et puis gon procédure judiciaire qui est ouvert. Jérôme Cahuzac plaide coupable, jusqu'à aujourd'hui il est en prison. Ces pays ça relé l'état fort, côté institution fort. Jérôme Cahuzac est puissant, pile son qui n'a qui n'a question business, qui est entrepreneur tout, qui était gros entrepreneur tout, mais dans pays ça. Et c'est ça il a dit dans Todd Robinson dit dans le livre. Hein? Pays qui est l'état fort, quel que soit statut ou niveau richesse, on prend prison. Et bien, Jérôme Cahuzac, jusqu'à présent, non, prison en France, la purge peine, parce que il était pris plusieurs millions d'euros, là, le serré dans le paradis fiscal. En Suisse. Merci à tous les amis qui toujours aident à faire émission ça, qui toujours aident à faire émission Boucanter la parole, qui toujours aident à faire Carrefour. Et là, d'un haut, Patrick Gilles, même si nous n'avons pas parlé, hein, Gilles. Ou à abandonner si fort comme ça. À tous les amis, ça y est. Pile les amis qui nous aident à faire émission, pour tes émissions au bas ou la caillou. Et pas oublier rendez-vous et pendant toute fin semaine là, et de vous besoin faire mariage, anniversaire, yon rendez-vous quelconque, yon rencontre politique, yon rencontre privé, yon rencontre secret, top secret, rendez-vous à c'est dans Douin Hôtel, c'est Rue Costa, Delma, Candois. Même dégoûtant avec nous, dans Mikoa, c'était Juno Jean-Baptiste et dans technique là, Fritson Ulysse Kembela, n'a pas croisé demain. Très important. En pile, moun a plaidoyer pour Jean sans foi ni loi a déchet pillé dans affaire taxe. Zami, veillez. Bouche tellement bon, y a bon prier sans confession. C'est les ARS rivé sous ou à compte côté ou te prend. Mais tout, pas de peine sans secours. Désormais, pour toutes affaires taxes, il y a une seule référence. Velatos Tax Services de Ilano Jeune. Yon jeune garçon, en pile, moun fait confiance pour bon Jean service la offrir à la communauté. Anessa, pour toutes affaires income tax, taxe pour business ou Velatos Tax Services pour faire confiance, pour gérer ça. Vous pouvez acheter aussi nos 20 cailles, c'est mettre béton, c'est tout le monde qui a dit en pile satisfaction. Rélim 954-865-2204. Passez Kounia 3923, les Coins Faudes, suite 107, les Coins Florida. Yon seul adresse.
adresse pour yon latrier service tant qu'on transfère l'argent pour n'importe pays notarié immigration real estate mortgage loan pour citer ça yon seulement relé 954 865 2204 ou carré office là dans 561 429 2044 nous parler créole français et espagnol visitez-nous à info@villachos1.com avec Villachos Tax Services en pile famille jodia dans réjouissance parce que yon fait confiance relé 954 865 2204